Les jeux s'écoulaient cependant, un de mes avocats me proposa de ne pas attendre les jugements de la Cour de cassation et d'écrire au roi Pu abandonner à ses clémences. Jésus, invincible répugnant à faire une telle démarche. Son confrère n'était pas de cet avis. Elle pourrait être fort dangereuse ou ne produire aucun effet. Si le roi veut faire grâce, il attendra les jugements de la queue. S'il est décidé de ne pas le faire, il attendra encore. Il est donc préférable de ne rien changer à la marche naturelle de cette affaire. Madame la Duchesse de Plesson, se fit au ministre de la Justice, vint un chercher Madame Valette? et la conduisit chez son père. Ces deux dames tomberont aux pieds du Vénérable Veillard. Sa fille fondait en larmes les pressées de ses mains jointes et susciter avec une violence et une ardeur d'un peu vent d'avoir une idée sur la seule qui ont le bonheur de la connaître. On l'écoutant, des larmes coulent silencieusement sur les joues du ministre, mais elle ne peut en obtenir un seul mot. C'était... Mauvaise augure. Il était clair qu'il y avait peu d'espérance. Fin le 20 décembre, les jugement fut appelé à la Cour suprême. Six moyens de cassation furent présentés, mais malgré l'éloquent plaidoyer des messieurs terrieux, le jugement Trouvé bon et confirmé. Ce fut pour du un de mes amis, qui va m'annoncer cette triste nouvelle, mais il s'appliqua et détruire toute l'impression qu'elle pouvait faire sur moi. Peur d'espérance et qui paraissait si positif que, que j'ai commencé à le partager lorsque, après sa sortie, Monsieur de coeur entre chez moi. L'impression terrible du jugement n'était pas encore effacée de son visage. Il espérait encore, mais ses raisonnements, portés d'esprit peu coupé, qui aurait trouvé plus facile de me parler de résignation.